Bonjour et bienvenue dans cette séance. Une nouvelle séance d'hypnose dans laquelle nous apprenons à construire un lieu agréable. Un lieu agréable peut être totalement imaginaire ou bien rattaché à un souvenir réel. Dans l'un ou l'autre de ces cas, ce lieu doit amener du confort, de la détente, de la sérénité, peut-être même de la joie. Le lieu agréable constitue un point de ressources, des ressources sur lesquelles nous nous appuyons pour bâtir notre confiance, notre liberté, pour améliorer notre sommeil, notre bien-être. Que vous pratiquez cette séance pour vous aujourd'hui en auto-hypnose ou bien pour un patient, pour quelqu'un que vous accompagnez, vous allez tranquillement vous isoler du reste du monde. Laissez les sollicitations extérieures en arrière-plan et posez-vous dans un endroit qui sera le vôtre quelques instants, dans lequel vous serez pleinement concentré à ce que vous faites. Décroisez les mains, les jambes et prenez la position la plus agréable qu'il soit. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir confortablement, peu importe. Naturellement, réservez cette séance à du calme et ne faites aucune chose dangereuse. Pendant quelques instants, restez focalisé sur cet apprentissage. Dans quelques instants, la séance va commencer. Vous savez que sur ma chaîne, vous trouvez de nombreuses séances pour vous détendre, pour vous libérer d'une addiction, pour mincir, pour travailler sur les chocs post-traumatiques ou bien tout autre objectif. Que vous pouvez travailler en hypnose ericksonienne ou bien en EMDR ou bien en cohérence cardiaque. Et je vous invite à vous abonner, à commenter ces séances. Cela me permet de progresser dans cette chaîne et de vous apporter un maximum de protocoles qui répondent à vos besoins. C'est parti. Nous commençons. Installez-vous confortablement. Peut-être les pieds au sol, les pieds décroisés. Et vous allez fermer les yeux en signe de retrait du monde. Concentrez quelques instants votre attention sur votre respiration. Vous sentez à l'inspiration l'air qui glisse par le nez, qui gonfle votre ventre. Et à l'expiration, vous relâchez. Pour relâcher les muscles. À l'inspiration, vous sentez peut-être cet air frais qui glisse à l'intérieur de vous. Tandis qu'à l'expiration, cet air est peut-être un petit peu plus tiède. Il va vers l'extérieur. Pour laisser place à une nouvelle inspiration. Et à une nouvelle expiration. Et vous faites cela à votre rythme. Vous continuez à inspirer cet air frais régénérant. Ressourçant et à l'expiration, vous relâchez le corps. Le corps se détend tranquillement. Inspirez. Et expirez. Continuez.
et ainsi vous laissez tous les bruits environnants passer en arrière-plan pour vous concentrer sur ma voix et sur votre respiration. Visualisez maintenant une belle couleur autour de vous, quelque chose qui scintille, une jolie couleur qui vient glisser par votre nez à l'intérieur de votre visage et qui vient relâcher toutes les tensions, les muscles du visage, le front, les yeux. La belle couleur se relaxe à l'intérieur, elle s'infuse comme du bon thé. Elle relâche les mâchoires pour laisser flotter la langue dans le palais. Visualisez cette belle couleur qui continue de glisser à travers votre gorge et qui vient relâcher la nuque. Et c'est ainsi toute la tête qui peut s'alourdir davantage. Quoi de mieux que se laisser glisser dans cette détente profonde. C'est ça. Et à l'expiration, peut-être qu'une couleur, peut-être un peu plus terne, vient s'échapper de votre bouche. Et la belle couleur à l'inspiration glisse à travers toute votre colonne vertébrale de haut en bas, chaque vertèbre, les unes à côté des autres. Encore plus profondément, se relâche. Qu'il est bon de sentir le corps s'alourdir, se relaxer. Et la belle lumière, elle s'infuse tranquillement à l'intérieur de votre poitrine. Vous visualisez les poumons qui s'élargissent à l'inspiration, qui prennent toute cette belle énergie de bien-être, toutes ces cellules de couleur lumineuse qui glissent à travers les épaules et qui relâchent les muscles des bras, des coudes à gauche, à droite, les avant-bras, jusque chaque phalange, toute cette lumière relâche le bras droit, le bras gauche, et de plus en plus le corps s'alourdit et c'est totalement ok, c'est de plus en plus confortable, c'est ça. L'inspiration, la lumière lumineuse glisse à travers votre abdomen et visualisez tous vos organes qui flottent maintenant, qui reprennent leur place, leur fonction librement dans votre ventre, relâchez de toute contrainte et à l'expiration vous sentez tout ce poids de votre corps qui se relâche encore et encore à l'intérieur profondément. Et plus le corps s'alourdit, plus l'arrière du dos se pose, se dépose, se repose. De
plus en plus le corps s'alourdit. C'est le signe que la détente s'installe de plus en plus profondément. Et vous visualisez cette belle lumière qui glisse maintenant à travers votre bassin. Et toutes les zones de tension se relâchent. Comme si toutes ces fibres, ces tendons, ces articulations, ces muscles qui font mal se relâchaient les uns les autres, ils se séparaient pour laisser fluide une belle lumière glisser à l'intérieur de la jambe gauche. La lumière traverse maintenant le genou, devant, derrière, le mollet, la cheville, jusqu'aux orteils. Et vous inspirez tranquillement. Et vous expirez de plus en plus, le corps devient lourd, lourd. De la même façon, c'est le côté droit qui se relâche, la cuisse, devant, derrière, le genou, le mollet, la cheville et tout le pied. Tranquillement, vous inspirez dans cette détente. Inspirez cette lourdeur et expirez pour la légèreté. Tranquillement. À présent, vous pouvez visualiser cette belle couleur qui fluidifie votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'aux orteils, jusqu'à la plante de vos pieds. Et le corps peut s'alourdir davantage. De plus en plus profondément. En hypnose, vous le savez, il n'y a rien à faire, rien à dire, rien même à penser. Il y a simplement à profiter de cet état dans lequel on est bien. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser 5 marches devant vous. 5 marches qui descendent vers quelque chose de précieux, d'important pour vous. Visualisez ces marches. Vous descendez sur la 4e marche et nous descendons les marches ensemble. Et plus vous descendez, plus vous entrez à l'intérieur, vers encore plus de calme. 3. Au bout des marches, vous percevez quelque chose de précieux. Quelque chose que vous souhaitez vraiment très fort à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'en descendant sur la 2e marche, vous sentez déjà que vous êtes arrivé quelque part de proche. Vous pouvez peut-être même toucher du doigt en descendant la 1ère marche. Et maintenant, vous descendez encore plus profondément. Vous prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, je demande respectueusement à votre inconscient d'imaginer un lieu agréable,
un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Un lieu imaginaire ou réel, peu importe. Un lieu dans lequel c'est bien, c'est bon d'être là. Inconscient, visualise ce lieu, visualise les éléments qui sont proches de toi. Peut-être ceux qui sont à l'horizon. Observe les couleurs, les hauteurs, les formes. Observe tout ce qu'il y a autour de toi. Tout ce lieu est à toi. Visualise toutes ces choses, prends le temps d'observer comme c'est beau, comme c'est agréable d'être là. Inconscient. Peut-être que dans ce lieu, il y a une odeur particulière. Quelque chose qui traverse le nez, qui rassure, qui est confortable, qui est agréable. Qui nourrit de l'intérieur quelque chose. Encore plus à l'intérieur. Prenez une grande inspiration, profitez de ce que vous voyez, de ce que vous sentez par le nez. Expirez, rentrez encore plus dans votre expérience. Transportez-vous. Inconscient, peut-être qu'en dans ce lieu agréable, il y a des choses à entendre, des sons, des bruits, des voix, de la musique, ou bien l'absence de son, le silence. D'entendre tout cela, les sonorités. Prends le temps de profiter de chaque chose à entendre. Je ne sais d'ailleurs pas si le silence à une odeur, ou bien si ce que je vois a un son particulier, mais ce que je sais, c'est que lorsque je rentre pleinement en inspirant dans mon expérience, je me plonge encore deux fois plus à l'intérieur de moi. Inconscient. Dans ce lieu agréable, il y a peut-être des choses à goûter par la bouche, par cette saveur qui glisse à l'intérieur de ma gorge et qui m'est confortable. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose dans ce lieu agréable à toucher par la peau, par les mains, ou bien une température agréable sur mon visage à sentir. Prends tout le temps.
conscient de profiter de tout cela. C'est ton lieu agréable et tout te revient maintenant, encore plus grand, encore plus confortable à l'intérieur. C'est ça, inconscient, à chaque nouvelle inspiration, tu profites de ce que tu vois, de ce que tu sens, de ce que tu entends, de ce que tu goûtes, de ce que tu touches. Et ressens maintenant à l'intérieur de toi toutes ces sensations de bien-être, agréables, de sécurité, de confiance. Ressens à l'intérieur de toi, inconscient, encore plus profondément, à chaque nouvelle inspiration, ces milliards de cellules qui glissent du sommet du crâne, qui passent par tous les endroits du corps, qui viennent nourrir ce lieu agréable à l'intérieur. C'est ça, c'est tellement confortable. Qu'il est doux de laisser revenir, être et devenir cela à l'intérieur de soi. Deux fois plus encore à l'intérieur de toutes ces sensations agréables, ces couleurs, ces odeurs, toutes ces choses qui font de ce lieu un lieu particulièrement agréable, qui s'inscrit, qui se structure à chaque nouvelle inspiration et à chaque nouvelle expiration. Maintenant, bravo. Continue.